Le MENA, équipe nationale de football du Niger, est pour la première fois qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour son entraînement, la sélection se rend au Cameroun à la Kadji Sport Academy. Le MENA débute la compétition par un match contre les Panthères du Gabon, l'un des pays organisateurs. Il est obligatoire pour le Gabon de faire un résultat. Pour nous, on est là pour apprendre, pour voir ce qui se passe. Et puis si on peut faire quelque chose, les ennuyer dans leur jeu, ben on le fera volontiers. Mais je pense que dans ce match-là, le plus inquiet des deux, c'est forcément le Gabon. Haruna Doula, désigné meilleur entraîneur CAF 2011, suit sereinement cette jeune formation. Il est secondé par Roland Courbis, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux. Le Niger ne nourrit pas de grandes ambitions pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais sa préparation n'en est pas moins méticuleuse. C'est un grand honneur pour nous d'être à cette Coupe d'Afrique des Nations pour une première fois, c'est vrai. Mais là, on est en train de se préparer vraiment pour être à la hauteur des attentes. C'est vrai que ça va être vraiment une grosse pression pour nous parce que c'est une première participation. Et je pense que c'est vrai qu'on va commencer avec le pays organisateur. Et là, nous n'avons pas une pression quelconque. C'est à eux vraiment d'avoir cette pression parce que ça se joue sur eux. Et ce sont des habitués de cette Coupe d'Afrique des Nations. La sélection nigérienne décollera pour Libreville le 20 janvier prochain.